La musique, l'art plastique et la poésie, c'est un mariage artistique qui caractérise cette édition 2017 de la Nuit Poétique. Il y a une véritable mise en scène, mise en espace aussi, et parce que vous avez vu, il y a par exemple le décor et la sculpture vivante, et aussi le body painting et le live painting que le plasticien et le modèle ont réalisé pour enrichir dans cette nuit. Un spectacle riche qui a permis aux poètes nationaux et internationaux présents de dire les mots et les textes avec une originalité sans pareille. Au plus profond de l'être se dessine une cassure que ni l'alcool ni l'artifice des rires n'arrivent à ensevelir. Et dire que les mots de l'aliénation se sont inscrits en faux pas. Il est perdu dans ce quartier, dans cette galaxie qui est la mienne. Il presse pas et je le suis, mais il m'échappe. Cette initiative va perdurer dans le temps et permettra aux différents acteurs de se retrouver dans un même creuset. Déjà, nous pensons à la création d'une résidence internationale dans le cadre justement de ce projet. Et donc, nous allons créer une résidence et recevoir au sein de cette résidence des poètes pour des créations d'œuvres poétiques. Un grand rendez-vous qui fera désormais du Bénin le carrefour de l'art et de la culture. Kato Marouillon.